Surtout, arrange-toi pour ne pas que ta copine sache que je suis Abidjan. Alors, ah, sinon je suis foutu, hein? Bon, voilà ce que je t'avais promis. Tu sais, Sabine, est-ce que tu sais ce qui me plaît en toi? Tu sais, toi tu es différente de Catherine. Ben oui, c'est vrai que vous êtes des copines, mais entre toi et elle, c'est comme le jour et la nuit. Toi tu es une femme, comment dire, attentionnée, compréhensive, tu vois, à la différence de Catherine qui est toujours portée sur l'argent. Non, mais c'est pas possible. C'est à croire qu'il faut avoir des millions pour avoir des relations normales avec elle. Écoute. Que les choses soient bien claires entre nous. Je ne ferai rien pour vous pousser à rompre. C'est une décision que tu devrais prendre librement. T'inquiète pas, Sabine, t'inquiète pas pour cela. C'est comme si c'était déjà fait. Non, non, parce que ce chantage qu'elle me fait là ne va pas continuer. Mais figure-toi qu'elle me dit que si je lui coupe les vivres, hein, comme après ça, il va falloir que je tire un trait sur mon fils. Alors, réfléchis bien à ce que tu veux. Non, moi, je ne peux pas attendre davantage. Bon, enfin. Laissons tout cela. Tu sais, Sabine, non, mais moi je te dis que te regarder comme ça, là, tu donnes des idées du genre. Bien, il faut que je parte à présent. J'ai rendez-vous avec des clientes. Ok. Bon, ben, on y va. Ma chère, s'il ne te dit rien et qu'il se comporte ainsi, c'est peut-être parce qu'il ne t'aime pas. Tu crois? Ça, tu as raison. Parce que souvent, ça commence comme ça et puis bon, vers la fin, l'amour naît. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis amoureuse de Roland. Je ne sais pas si tu comprends. Je suis fond de lui-même. Je ne veux pas laisser tomber, quoi. Amour l'a quitté où même? Il n'y a pas longtemps, tu ne pouvais pas entendre parler d'un garçon. Mon cher, laisse ça. Ça, là, c'était avant. Maintenant, là, je suis amoureuse. C'est ce que je constate même. Hey. Ah, c'est la grippe amoureuse, là. Hey. Ma chère, tu as bien dit grippe amoureuse, pas grippe aviaire. Moi, ma grippe, là, s'appelle Roland. Mais sincèrement, ma chérie, je t'encourage. Parce que ça ne sera pas facile. Tel que tu viens de me l'expliquer, là. En tout cas, ça ne sera pas facile. Hein. Mais je ne vais pas laisser tomber. Parce que ce gars-là, franchement, on meurt ensemble, quoi. Je ne peux pas laisser tomber. Okay. C'est même pas facile, même. Parce qu'il y a des gosses sur mon chemin, là. Mais je ne me laisserai pas faire. Hein. Je ne laisserai aucune fille me prendre Roland. Ah oui, ça, ça c'est parole de Mimi. Ah oui. Ah, la love, la love. Hein. Evelyne, non. Tu me connais pas ou bien? C'est ça, même. Affaire d'amour, là. Ça se vit. Ça se vit.
savais poète, mais pas humoriste. Hein? Tu vois, tu viens de dire un autre nom de métier qui se termine par ist. C'est pourquoi quand sa camarade lui a dit, mais dis donc, tu es forte. Comment tu as fait pour me reconnaître après tant d'années? Tu dois être physionomiste. Hein? Elle dit, je ne suis pas physionomiste, je suis standardiste à la télévision. Laurence, tiens, va chercher la monnaie à la boutique. Maman, le boutiquier n'aime pas donner mon nom aux gens. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Faut dire que c'est maman qui m'a envoyé. Et puis au retour, là, oui. Faut passer chez le monsieur, là, tu vas lui remettre ses 200. Monsieur. Le monsieur qui vient d'acheter la loco tout à l'heure, là, il habite à côté du parking, à la porte 302. Ah, d'accord. Pardon, fais vite, hein. On va ranger, il fait nuit. Oui, maman. J'espère que je ne t'ai pas trop fait attendre. Non, non, pas du tout, ma belle. Bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous. Et voilà. J'ai eu peur que vous ne veniez pas. Sache que je respecte toujours la parole que je donne. C'est bien. Ça, c'est bien à votre honneur. Malheureusement, de nos jours, les gens ne respectent pas beaucoup leurs paroles. Et c'est vraiment dommage. Ah, heureusement que nous ne sommes pas ici à un séminaire sur la morale de l'humanité. Hein? Un peu de vin? Oui. Serve. Voilà. Alors, santé. J'ai... Tu risques d'oublier ton portable ici après le repas. Hein? Ok, dans ce cas, je vais le mettre en dessus. Il vaut mieux en tout cas. Ouais, dans ton sac. Oh, vas-y, n'aie pas peur, il ne mord pas. Ok, d'accord. Pourvu que tu ne l'oublies pas. Non, non, vas-y, merde, il ne mord pas, n'aie pas peur. On passe au repas? Ah oui, bien sûr. Garçon? C'est un peu plus de temps en dehors, peut-être, de certaines choses qui m'échappent aujourd'hui, je dirais. Eh bien, voilà. C'est ici que j'habite. Ah. Eh oui. C'est là ton jardin secret. J'ai passé un agréable après-midi. Encore une fois, merci. Non, 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 c'est moi qui te remercie de m'avoir accordé un peu de ton temps précieux. Faut dire que ta présence à mes côtés cet après-midi a ajouté un petit baume à mon cœur. Ah, on n'exagère pas. Oh, c'est vrai. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des petits moments comme ça ensemble. On verra bien. Yvette? Oui? Tu pourrais m'inviter à y entrer? Oh, si tu y entres, il sera plus un jardin secret. Allez, à bientôt. Qu'est-ce que tu veux encore, Evelyne? Comment ça encore? Ça fait plusieurs fois que je passe et tout est fermé ici. Et pourquoi tu veux me voir? Ben, j'avais envie de te voir et je voulais qu'on termine notre conversation de la dernière fois. Bon, voilà. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. Je suis très épuisé aujourd'hui. Hein? Mmh. Alors, tu vas rentrer chez toi calmement et puis une autre fois, on va en parler. Ok? Allez. Mais à une condition. Laquelle? Que tu m'embrasses.
et ce sera d'accord. En tout cas, tu auras droit à une bise. Je dis une bise. Ok, c'est mieux que rien. Ça va, Yvette? Oh là. Tu as oublié de récupérer ton portable. Arrête, s'il te plaît. Yvette, en fait. Bon, je vous laisse. Non, non, tu n'as pas compris. Yvette. Bon après-midi. Yvette, oh, non, non. Arrête pour toi. Je dis non, Yvette. Voilà. Yvette. Sabine. Sabine. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? Rien d'important. Rien d'important, hein? Et tu as le regard perdu comme ça? Tu m'as l'air avec cet état un peu bizarre, là. Attends, dis-moi. Ne serais-tu pas gagné par le virus de l'amour? Francine, où vas-tu chercher ce genre d'idée-là? Ah, ma chère sœur, c'est que je t'ai vu sortir d'un restaurant en gagnant compagnie, hein? Et pour toi, sortir d'un restaurant avec quelqu'un suffit de parler d'amour. Mais je l'ai vu en train de te dévorer des yeux lorsque vous attendiez un taxi. Tiens, 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 tiens. Tu m'épies maintenant. Pas du tout. Je me suis retrouvée là par hasard. Je venais tout juste d'accompagner mon amie Evelyne lorsque je vous ai vu sortir du restaurant. C'est seulement aujourd'hui que je l'ai rencontré physiquement. C'est le copain de Catherine. Mais en fait, dis-moi, il semblerait que je connais très bien ce monsieur. Je t'avais dit qu'un jour, il y avait un monsieur qui avait donné 5000 francs à une jeune fille pour avoir dansé tout simplement avec lui, dans le maquis. Oui, je m'en souviens. Eh bien, c'était lui. Mais dis, il semble vraiment s'intéresser à toi, hein? Je ne cherche même pas à le savoir. Je te l'ai déjà dit. C'est le copain de Catherine. Et puis, je ne m'intéresse pas aux gens qui passent tout leur temps à draguer dans les maquis. Comment ça? Sache que si un homme te drague dans un maquis, c'est devant un autre maquis qui te laissera tomber. C'est-à-dire dans la rue. Parce qu'il aura vu tout simplement une autre fille. Oh, apparemment, j'avais l'impression qu'il t'intéressait très bien. Et puis, dis-moi, ce monsieur-là, il a beaucoup d'argent, hein? Francine, où vas-tu chercher cela encore? Je vous ai vu. Il t'a donné 10 000 francs pour ton taxi. Et alors? Ah. Tu sais, Sabine, ce monsieur-là, il est tombé sous ton charme. Et maintenant, les hommes ne donnent que de l'argent à une fille lorsquis ont du béguin pour elle. Oh, Francine. Tu crois pas que tu exagères un peu? Ah, ma chère Tresse Sabine, tu es une très sainte toi. Bon, de toute façon, je pensais pour moi que c'était une opportunité pour toi d'avoir de l'argent. Evelyne ne le prend pas comme ça. Ah oui? Et comment veux-tu que je le prenne? Que je t'applaudisse? Que je sois heureuse alors que tu... Je ne te demande pas de m'applaudir. Roland, je t'aime. Je t'aime. En quelle langue veux-tu que je te le dise? Est-ce que tu peux comprendre ça? Ça ne te dit rien. Tu t'en fiches? Bien sûr que non. Je suis même flatté qu'une jolie fille comme toi dise qu'elle est amoureuse de moi. Alors, pourquoi tu ne veux pas de moi? Je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas m'engager dans une relation pareille. Dis plutôt que tu gardes ton amour pour cette sorcière de l'île. Ça suffit, Evelyne. Je ne garde mon amour pour personne. Ah oui? Et celle chez qui tu as oublié ton portable? Tu vas me dire qu'elle n'est rien pour toi? Yvette est une simple amie. Et si toi, tu ne veux pas te contenter d'une simple amitié, je crois qu'on va arrêter de se voir. Je ne savais pas que t'aimais, c'était un crime que je commettais. Excuse-moi si je t'ai choquée. Ne t'aimais pas dans cet état-là, s'il te plaît. Je t'en prie, Roland. Réfléchis, je t'aime. Je ne veux pas te perdre, Roland. Bonsoir, monsieur Dan. Non. J'étais passée te dire merci, mais apparemment, tu es très occupée. Mais ça sera pour une autre fois. Laure. Laisse tomber, t'inquiète. Ah, Laure. Ne t'en fais pas, laisse tomber. Laure, c'est... Ça suffit. Mm-hmm.
C'est bien toi le garçon impertinent. Non, ça doit être une erreur, monsieur. Ce n'est pas une erreur, mon petit. Mais qu'est-ce que je fais? C'est bizarre. Les gens demandent toujours ce qu'ils ont fait. Ils ne demandent jamais ce qu'ils n'ont pas fait. Eh bien, mon petit, tu n'as pas été sage. Comment? Au lieu de te consacrer à tes études, tu passes ton temps à chercher la fille des gens. Fille des gens? Mais quel genre? Yvonne Balasso. Tu passes tout ton temps à terroriser sa fille Chantal. Qu'est-ce qui se passe, Roger? Tu te sens pas bien? Ça va, c'est rien de grave. Qu'est-ce qu'il y a? Quand toi tu es comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Tu veux dire que tu me connais? Dis-moi s'il n'y a rien qui te tracasse. Tu as raison. Je vais juste te demander où se trouve le maquis T et M. Que vas-tu chercher, toi et moi? Toi, tu as pensé à quoi? J'ai un ami qui fait son anniversaire et m'a invité. Je voudrais retrouver mon chemin, c'est tout. Mais dans ce cas, il fallait lui dire de t'indiquer. J'ai et puis elle va me traiter de Gawa Abidjan. Non, ça jamais. Oh, ok, ça va. Tu connais l'ancien Rigaud? Oui. C'est ça qui est devenu toi et moi. Ah, toi et moi. Ah mais si c'est ça, je connais. Ah, mais donc. Ah, ouais. Merci, grand frère. Je ne comprends pas. Quoi? J'ai l'impression que Roger m'évite. Pourquoi dis-tu ça? Mais quand je l'appelle, il ne décroche pas. Et puis, tu sais très bien qu'avec ce qui s'est passé, je ne peux pas me rendre chez eux. Écoute, tu sais très bien que Roger a son BTS à préparer. Et puis, il a son bac à présenter en fin d'année. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas qu'il décroche quand je l'appelle. Certainement qu'il coupe la sonnerie de son portable pour ne pas être déconcentré. Attends. Mais forcément, quand il va voir mon numéro en absence, il m'appellera. Écoute, Chantal, pour que Roger t'appelle, il lui faut des unités. Et c'est ce qui fait peut-être défaut. Écoute, arrête d'être paranoïaque. Tu sais très bien que c'est toi que Roger aime. Tu as son petit cœur, n'est-ce pas? Mais Léo, pourquoi il ne cherche pas à me voir, hein? Peut-être qu'il a peur de la réaction de maman. Tu comptes l'éviter pendant combien de temps? Roger, pourquoi tu l'évites? Qui ça? Comment ça, qui ça? Chantal? Quand elle t'appelle, tu ne décroches pas. Et comment tu sais que c'est elle? Mais par la sonnerie personnalisée, voyons. Tu t'es fâché avec elle. Comment tu sais que je me suis fâché avec elle? Mais quand elle t'appelle, tu ne décroches pas. Mais c'est parce que j'ai pas envie de décrocher, c'est tout. Et puis, je sais pas. Tu t'es fâché avec elle? C'est ce qui explique ta mauvaise humeur ces derniers temps, hein? Oh, voyons, petite sœur. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Je ne me suis pas fâchée avec elle. Mais pourquoi quand elle t'appelle, tu ne décroches pas? Non, je ne décroche pas parce que... Laurence! Oui, maman? Tiens, va m'acheter de l'huile à la boutique pour la loco. Il n'en a plus assez. D'accord, maman. Dépêche-toi, s'il te plaît. On en reparlera. Excusez-moi, mademoiselle, je voudrais un renseignement. Je cherche à Villa 602, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais je ne suis pas du quartier. Oh, voleur! Oh, mon sac! Oh, voleur! Il est peut-être armé, je vais y aller.
Gloire à Dieu. Amen.